voix d'Amérique pour ces informations nationales et internationales. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui pas trop long. Et gros nouvelle ce matin et hier soir encore, c'est Washington qui décidait de lever titre 42A. Nous avons sur place envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous avant et après titre 42A. Jean-Robert Philippe, titre 42A levé, gampile confusion, gampile mésinterprétation, gampile incompréhension, tout Jean-Robert. Mais dis-nous non, ou même qui l'autre bois dans la chaleur, frontière États-Unis partagée à Mexique, qui sont ouais, qui sont tendus. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous les spectateurs de la Voix d'Amérique. Oui, il y a une inquiétude, il y a plus d'inquiétude. Et bon côté immigrants de préférence. Je pense que journée jeudi, c'est le premier test que l'administration a fait pour le pour voir ça que tu as baqué juste à que tu as vu après fin de titre 42 à l'ordre de loi sanitaire. Donc c'est une journée qui, donc, ça dépend de côté sous frontière, qui est capable des zones qui sont capables d'agiter, mais des dispositions qui sont déjà prises, des bails que mettent, des bails qui ont été mis. Au fond qui devient venu, il faire une frontière carrément. Mais ce n'est pas ça qui fait. Simplement, les gens qui viennent, par exemple, dans une côté de là, dans Matamoros, qui est même tout près de Bronzeville, mais lui-même, il y a même immigrants seulement, ils ne sont pas venus. Actuellement, nous avons un camp, c'est un camp latino qui est là dans le Venezuela pour plus fort. Et de ce côté, nous avons là, il y a une rivière, Rio Grande. Et c'est là que l'autorité a pensé que les gens pas passé, mais ils ont pris des dispositions, ils ont mis des babouilles, donc c'est des fils faits pour ne pas traverser. Et gagne une voie qui a passé de temps en temps, qui a annoncé Mounio, pas traverser rivière là, parce que traverser l'autre bord rivière, l'illégal. Et Jean-Aubert, dis-nous, non, qui différence qui gagne ou t'es Reynoso, Reynosa ou ça? Et jeudi à l'autre côté, qui différence qui gagne entre deux côtés ça? Différence, c'est peut-être une question d'accommodation ou bien encore façon que les hébergés, immigrants hébergés. Là, on sent qu'il y a plus ou moins pour Amérique latine, c'est plus pour Venezuela que là-dedans. Il y a peut-être une meilleure organisation, mais qui n'est pas différente de ça. Nous par exemple, dans Reynosa, par exemple, au cas où il y a un pile tandem là, au cas où il y a un pile monde qui est derrière nous là, c'est mon café manger. Et c'est même mon il y a même en attente tout. Il y a même, je dis, pas traverser jusqu'à ce que y ait un rendez-vous. Donc, il y a qui là qui quitte pays. Mais on demande est-ce que nous pensons que la vie nous mais pas de plus bon dans le pays. Donc ici, on dit non. Au moins là, côté ils sont en plus sécurité. Mais ils espèrent que Tonton Sam, l'administration Biden, n'a pas été rentré aux États-Unis pour aller réaliser les rêves gagnants. Jean-Aubert, où dans la zone côté les migrants qui sont dans l'Amérique latine, à Caraïbes, là, Haïti là-dedans tout, est-ce que l'autre nationalité que vous avez occasion, peut-être ouais, même si c'est en passant, l'autre monde qui sont dans l'autre continent ou bien l'autre côté encore que autre que Amérique centrale Caraïbes. Non, pas facile pour un monde, bon. C'est un monde qui vient pour clair. Et il est difficile pour parler pour un des mondes qui ont des soucis. Excepté que tout le monde qui l'a pratiquement pif là-dedans, il n'y a pas l'espoir. Donc, nous n'avons pas de chance pour nous dire l'autre nationalité. Mais nous connaissons, par exemple, dans Reynosa, dans le centre Senda de Vida, et bien là-dedans, il y a plusieurs autres communautés, surtout il y a des Russes, qui ont même des autres monde dans l'autre pays en Europe ou bien même en Afrique, qui ont même joué un logement là en attendant que. Je ne pas oublier, son frontière lié, tout le monde qui est là, c'est le monde qui est en transit. Destination finale là, c'est les États-Unis que dire. Qui différent Jean-Aubert entre avant titre 42A et hier soir 11h59, titre 42A tombé et jeudi à titre 42A pas là encore. Qui différence qu'il y a entre le titre 42A là avec jeudi à? Ok. Si le 42 elle était là, ça veut dire que l'eau est sous frontière, par exemple, dans Matamoros, eh bien, garde frontalier, il n'y a pas qu'il doit entrer du tout, ou bien sous ou paraître, il y a un capon, il y a retourné immédiatement. Je dis à la rencontre que nous faisons, dans ça que nous faisons, nous avons gardé, même dans Matamoros, même côté dans le garde frontalier, CBP, le garde américain, eh bien, même ça veut dire que je dis à il y a pour recevoir tout le monde qui vient. Quand tu as un rendez-vous, quand tu as un rendez-vous, il y a un
États-Unis et Japon, ils ont pris l'interview et ils ont pris une décision à partir d'une interview qu'ils ont fait avoir là. Donc, il y a des gens qui viennent dans nous rencontrons plus haïtiens qui viennent, mais c'est des gens qui viennent sur rendez-vous. Mais nous rencontrons des étrangers qui sont sur l'autre côté, qui n'ont même pas gagné rendez-vous, ils ont même dit qu'ils viennent rendre tête, et puis avec espoir qu'ils aient quitté l'entrée pour continuer le processus asile là. Donc, je dis à ces lois et immigration titre 8 là, c'est lui qui est en vigueur, et lui-même de vous paraître, il doit attendre, avant de prendre une décision, contrairement avec titre 42 qui lui-même, il n'est pas obligé d'attendre, c'est seulement retourner, soit déporter dans le pays ou contre sortir, ou bien refouler au Mexique. Merci Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe, c'est envoyé spécial nous. Nous avons pour nous établir contact avec encore dans le programme pour nous faire une dernière mise à jour sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Aubert fait bon travail l'autre bois et moi que Jean-Aubert, même tout mon superstar depuis paraît qu'il connaît que VO à Creole là. Et c'est ça nous promet, téléspectateurs, c'est que voyons après bien loin et nous prenons voir tout côté bien loin. Et toujours sous question immigration, et bien, les républicains eux-mêmes, qui mauvais concon, les a considéré ça qu'a passé sous frontière et États-Unis partagé avec Mexique là. Sandra Le Maire, gain déclaration, gain position, plusieurs leaders républicains. Un groupe sénateur républicain t'est parlé avec la presse jeudi dans Brownsville, Texas, une ville frontalière, dans le moment migrant t'a couru traverser entrée États-Unis depuis Mexique avant lever titre 42. Fait titre 42 a t'estimé la peurèse parmi migrants yo qui croit changement a rendre les plus difficiles pour y rester aux États-Unis. Quelques temps avant restriction a fini, migrants yo t'est retiré rad sou yo et puis plongé entré dans rivière Rio Grande. Yo t'est kembé sac plastique chargé à rad nan men yo. Ted Cruz, c'est un sénateur républicain état Texas. We are witnessing an absolute travesty. L'édition Abgalila, c'est une travestie qui a développé sous frontière sud-noire. Lundi, nous arrêté plus passé 10 000 personnes sous frontière. C'est plus haut niveau dans l'histoire. Mardi, nous arrêté plus passé 10 000 personnes encore. On y est là, il y a plus passé 22 000 personnes qui gonflaient dans sud frontière, côté Yaptan, pour y traverser. Getting ready to come across. Administration Biden a dévoilé nouveaux mesures sévères qui remplaçaient type 42. Restriction ça est en place depuis le mois de mars 2020 et permet responsable frontalier yo refouler rapidement moun kap chache asile yo pour yo pas vin propager COVID-19 aux États-Unis. Nouveau politique yo serré boulon moun kap traversé frontière illégalement en même temps que limiter en place nouveaux moyens légaux pour migrants yo appliquer en ligne chercher sponsor et puis subir check sécurité. Si yo remporté succès, réforme sa yo ta capable changer complètement façon migrants yo rivé sous frontière États-Unis Mexique là. Sénateur Ted Budd représentait état Caroline du Nord. I want to address Joe Biden. And I lay this problem at his feet. Lidi mwen vle mette problem nan anpye Joe Biden. Migration te yon kestyon bipartizan. Nan ane ki pase yo li vin politize li. Li kite problem nan ap vin pi grav. Li te gen 2 ans et demi pou l'prepare pou sa. E 20 janvier 2021, équipement diesel, ciment, acier que nous te recevoir pour défendre frontière Terechita. Li lâche toujours. Faut que nous adopter une loi. Premier bagage moi t'ai fait l'homme t'est arrivé dans Sénat, ça gagne quelques mois seulement, c'est présenter au projet loi. Li relé construit Miraila Kounia. Et li prend l'argent qui est déjà disponible et puis permet de construire une muraille qui baille autorité frontalière yo pour chance. Pendant que titre 42 t'est empêché en pile moun mandé asile, li pat pote avèl aucune conséquence légale, qui donc ça t'a encouragé moun tenté chansio plusieurs fois. Sénateur John Hoven représentait état Dakota du Nord. I've been to El Paso. I've been on the other side of the border to Mexico. Li di m'a visité El Paso, Texas, m'a visité l'autre bord frontière, Mexique, Guatemala, Colombie, Équateur. Et ça moi ouais chaque fois moi aller, c'est plus moun kap entrer la caillou illégalement. Ou pas qu'elle là yo passé par processus là, mais ou pas qu'elle l'autre entrer illégalement et yo la gayo dans pays là sans aucune demande pour yo comparaître devant tribunal ou bien ça capable prendre 5 ans avant yo comparaître devant tribunal. En attendant, sénateur Cruz pas caché dit li vexé à mort. I have to say I am angry.
Li di, mwen vexé parce que yo fait exprès. C'est une décision président Joe Biden avec Kamala Harris à démocrate dans Congrès prend pour l'ouvrir frontière nous pour ça qui représentait une invasion pour moi. N'a pas rappelé que président Joe Biden était à visiter ville frontalière El Paso, dans Texas, 8 janvier 2023, côté l'été parlé avec agent immigration yo, à garde frontière yo, sous situation. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Et bien, vendredi, quelques heures avant le titre 42A, eh bien, il y a une chambre députée ici aux États-Unis qui prend décision pour gagner plus de sécurité sous frontière en attendant tout que le Sénat lui-même réagit. Serge François Michel. Chambre députée États-Unis a approuvé hier jeudi 11 mai une loi républicaine a été proposée pour barrer immigrants et empêcher drogue illégale traverser frontière sud-ouest qui séparait pays avec Mexique. Konya, c'est Sénat, côté démocratique et majorité, qui a été pour voter projet de loi immigration, ça. Proposition de loi, ça, que démocratique t'a averti comme quoi l'ipoil bloqué dans le Sénat, t'a mette limite stricte sous monde qui a cherché asile et puis exigé pour y appliquer pour protection aux États-Unis en dehors pays en loi, ça, t'a demandé tout pour construction muraille sous frontière continue faite. Et pour le gouvernement fédéral, là, fait plus d'efforts pour faire respecter la loi immigration. Chambre députée à côté républicain en majorité, voté 219 à 213 pour passer le projet de loi, ça. Sans aucun démocrate pas de voter en faveur, côté yon républicain, t'es voté contre lui. Vote là, t'es fait avant jeudi minuit, les autopoils levé titre 42 qui t'es mettait restriction sur immigration. Et en loi, service immigration t'es commencé à appliquer sous président Donald Trump en 2020. La pandémie COVID-19 la tête en main. L'été permet aux autorités américaines d'expulser les immigrants au Mexique pour raison santé, sans y avoir pas de chance pour demander asile. Autorités ont été gros foule immigrants gonflés sous frontière sud-ouest pays. Dans le dernier jour, en ventit 42 est arrivé dans Boutli. Pendant le projet de loi, Chamnan pas espéré arriver dans le bureau président Joe Biden pour faire tourner la loi. Il y a espoir dans le Sénat que l'IPOL déclenche une négociation pour une réforme totale avec participation des partis politiques. Dans la question immigration et sécurité sous frontières, ne moi qu'à venir. Serge François Michel, VOA Creole. Nous parlons du pays d'Haïti. Actualité, eh bien, mouvement Bois-Caléa a continué pendant que la police a mené action contre gang yo parmi opération Sayo, l'a mené yon nan entrée sud capitale là. Nan micro et devant caméra correspondant à Port-au-Prince, Massado Vilme, il y a plusieurs citoyens qui yon même opiné sur opération ça. Après population ont financé opération Bois-Calé contre gangion en pays côté ces citoyens paisibles dans tête collé avec agents policiers qui cherchaient prendre moun yo identifié comme bandi. Il y a un mouvement qui motivé au commandement police là qui t'emmène une opération garçon pas campé contre groupe civil armé qui a évolué dans rentrée site capitale pays a qui précisément village dédié qui en bas contrôle groupe gang 5 secondes Johnson André alias Iso et Emmanuel Salomon alias Mano a dirigé. Quelques citoyens qui réagissent sur opération si là s'allier j'ai force de l'audio yo dit qui décide livrer au dans libre pour mettre de tout bandi à terre. La police prouve que il va faire battre une décision internationale là. Parce que chat apparaît tout près de l'église, tout près de l'église Saint Bernadette là. Il y a aucune perception. M'a bon mentir pour nous. Donc oui. Et n'a dit bravo avec jeune garçon qui est dans la police, jeune fille qui est dans la police qui voulait aider la population. Je bien connais, quand je descends dans la machine, bonjour Mariani, ou bien je descends bonjour à Matisse, je te dis, je suis fils et moi, mais forme félicite ça. Bon. Là, moi, la police a mené une opération dans la ville de Dieu. Je suis content de l'opération de la police a mené pour n'importe quoi. Ça t'a fait bien pile. Pour tout malheur, tu as retourné à la caillou encore. Mais pas seul les gars ça passe pour ta mort non pour les gars sur les autres tout les qui a versé pour ta mort et tout parce que gang qui a versé au pire que les ça quelqu'un même quoi opération ça pas réglé rien si agent policier pas utiliser stratégie pour prendre contrôle village de Dia une fois pour toutes. Ah, opération verbale la gang est capable d'outil là dedans parce que si la police te décide pour te faire un bagage dans l'opération hein, c'est normalement ils t'as pas organisé de façon normale pour rentrer, pour faire ça, pour faire. Mais depuis que camper là, on camper de côté, on pleut, tout le monde est de côté, on n'a pas besoin de pas besoin ensemble avec eux. C'est farouché, et puis même, là, on fait tout
stratégie ou tir ou pas réaliser rien, ou il doit aller, ou même là, sauté, puis mauvais toujours. Mais ça m'explique de ça, c'est pas la première fois qu'il a fait ça. Il a toujours mené des opérations qui par exemple utile. Et si vraiment vous connaissez côté métaphère, et puis nous-mêmes, nous légal, nous sommes inégal. Depuis loin, c'est le coucou pour vous. Vous êtes le bagage. N'a pas rappelé, c'est pour petit 5 policiers qui t'ont perdu la vie et plusieurs autres qui t'ont sorti blessés. Dans l'opération, la police t'a mené en deux villages dédiés dans l'année 2021 passée. Et pour aujourd'hui, jeudi 11 mai 2023, nous t'es capable de voir une machine blindée police là qui a sillonné tout boulevard à Ritoumane. Cependant, la population continue à filer manchette dans quatre mouvements Bois-Calais contre Bandio. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Filmé pour VOA Créole. N'a pas demandé Massiado pour pas déplacer. Faut dire que son sujet qui retenu attention. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Rouen, dans tout ce qui est même gain déclaration, porte-parole police nationale là, commissaire Gary Desrosiers. Depuis hier jeudi 11 mai 2023, en pile coup de zam a chanté dans zone bicentenaire, portail Léogan, Matissan et Fontamara, côté agent plusieurs unités dans police nationale d'Haïti, hein, notamment UTAG, Aksoat accompagné engin lourd en coup blindé lancé yon opération pour affronter bandi kap simè la terreur nan zone sa yo yo boukante en pile coup de zam ak fòs lòd yo. Porte-parole la police là commissaire Gary Desrosiers qui confirmé nouvelle ça pour en mesure pour dresser bilan partiel opération. La police prend toute disposition pour que et opération intensifiée et au niveau de village ces cibles PPNH là et puis avec d'autres cibles tout que nous-mêmes nous gagnons pour nous faire des interventions et là-dedans nous connaissons que les situations comment liées difficultés qui gagnent et tout et population et cap fonctionner zones à yo et nous toujours et continuellement de collaboration yo pour que ensemble nous capables et débarrasser et zones à yo de bandits et qui logent au niveau village et notamment en base qui bat une tête une 5 secondes et c'est objectif la police c'est pour que le capable et voir même démanteler et réseau et des gangs ça. Et au niveau de la police, la volonté est là, la détermination est là, et les policiers sont déterminés pour que nous-mêmes nous sommes capables d'arriver et libérer et population hein, et de ensemble de gangs qui empêchent le vacillement de l'activité. Pendant ce temps, quantité de véhicules blindés qui à disposition force l'audio pour augmenter pas trop longtemps en dans le pays d'Haïti, d'après information, yo, côté compagnie, constructeur, là, Incas a fait arrangement logistique pour livrer 5 lots blindés après livraison 4, 8 mai 2023. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. N'a pas toujours encore et Massiado Filmé qui fait nous connaître que habitants dans Solino manifesté jeudi vendredi pour dire non à attaque au groupe civil Améo fait sous yo. Massiado. C'est pour faire ces bandits qui ont cherché pour un contrôle zone, faire marche arrière sous des marches. Habitants dans le quartier Solino décidé de fouler macadam pour voir un message clé par le groupe civil armé. Parce que vous voulez casser zone, vous voulez casser toute la zone, vous voulez casser Solino, nous allons prendre ça à l'armée. Pour les cas 2004, nous devons bagarrer ça, nous allons venir se prendre encore. 2004, nous devons courir. 2023, là, nous allons venir se courir. Ça c'est révolution nous a fait dans Solino. Maman ça me dit camper goumé nous même manchette nous gagne bouteille nous gagne roche nous gagne nous pas gagne ça. Mais nous même plaisir nous même pour nous prendre ensemble là nous pas encore plaisir nous. Bon si vous voulez ça ensemble non mais nous. Et nous même nous pas encore vous sommes notre arrêté. Nous c'est femme. C'est vous pas encore vous sommes notre arrêté. Nous vous pas marcher. Avec ça dire nous marcher. Nous va vivre révolution nous gagne là nous même. Si là vous fait connait pas gagne rien pour eux dans activité gang yo a mené. Et nous pas gagne fondamental et pour connait. Yo fait ça sur nous passer. Comme Katse Kabouna Belé. Et je veux dire, nous sommes clair avec Moun Kapsif et puis le public, nous sommes clair. Solino parle en guerre à Belé, Solino parle en guerre à Delmade, Solino parle en guerre avec Front National, Solino parle en guerre avec La Saline. Les manifestations, je dis, c'est pour la population Solino a dit, et il parle en gang,
qui parle en cas de Jacques, qui parle en viol. Manifestants ont profité occasion pour saluer effort policiers qui campent bon côté contre des matchs groupes gang qui cherchent pour contrôler la zone là. Si c'est pas de policiers là, nous ne pouvons pas arrêter dans la zone là. Nous allons dire qu'ils sont dirigés là. Si c'est pas de policiers, nous ne pouvons pas arrêter là dans la zone là. Nous allons dire qu'ils sont écrasés là pour nous. N'a pas rappelé, c'est dans le commencement mois mars passé, un groupe civil a été envahi un bon parti dans Solino, côté où il a été fait dans plusieurs cas. Solino, c'est un quartier qui se situe dans la direction nord capitale pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme. Pendant ce temps, l'organisation UNICEF avait dit qu'un pile de monde qui a mouru dans le pays à cause de malnutrition, choléra avec violence gangue. UNICEF besoin et en urgence 17 millions de dollars pour commencer à résoudre problème là. Valerio Saint-Louis, depuis New York. Organisation UNICEF bail avertissement hier jeudi 11 mai que violence armée en Haïti a intensifié quantité timoun qui souffrit malnutrition dans pays a. Yo prévoit plus passer 115 600 timoun capable souffrir grand groupe pendant année 2023 comparé à 87 500 timoun année passée. Jodi a youn sous 5 timoun souffrit malnutrition sous quelque soit forme là dans plusieurs communes dans zone métropolitaine dans capitale Port-au-Prince là qui en bas gros violence armée depuis plus passer 2 ans. Département l'Ouest ça c'est zone qui pi affecté par conflit armé yo. Et c'est là que yo joigne un pourcentage cas malnutrition aiguë 7,5% qui c'est pourcentage qui pi haut passé pourcentage moyen sous territoire national. D'après Bruno Maes qui se représentant UNICEF en Haïti, gen plus maman ak papa qui pas capable bay petit yo soin ak manger comme ça doit dans pays encore et parents yo pas ka même mené timoun yo dans centre santé à cause gros ak violence que groupe armé yo a fait sous population. Ajouté ak épidémie choléra qui a continué, plus timoun a souffri et puis yo ka mouri si yo pas prend des mesures urgentes. Violence en Haïti vin grave en pile. Plus passé 600 moun perdu la vie en mois avril là seulement à travers Port-au-Prince, d'après Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU. Conflit entre groupe armé yo té limité accès timoun yo ak nutrition de base yo que yo besoin, service santé ak l'eau propre yo servi, hygiène ak bon condition sanitation. Yo rapporté plus passé 41 000 cas choléra suspect en Haïti. 46% là-dedans c'est timoun qui gen moins que 14 ans qui donc choléra ak malnutrition vin mette yon pi gros chay sous système santé national là qui déjà pas capable répondre à cause de manque ressources humaines et manque de provisions ak moyen. Presque yon sous 4 timoun en Haïti souffrit de malnutrition chronique, ça que yo rele timoun rachitique là qui gen conséquences physiques qui durent longtemps et ses résultats mauvais soins santé ak malnutrition. Timoun rachitique yo pas gen capacité physique ak mentale pour fonctionner. En urgence, organisation UNICEF a besoin 17 millions de dollars américains pour une première étape pour capable commencer pour tes réponses à problème yo. Manque de financement capable mettre la vie plus passer 100 000 timoun à risque pour mourir dans l'immédiat. Sans pas oublier violence armée qui force femmes et timoun yo quitter kay côté yorité. Année 2023 ça, depuis que organisation UNICEF a recevoir financement de 210.3 millions de dollars américains qui ont demandé à l'heure, UNICEF pral bay timoun ak population vulnérable provision ak service pour sauver la vie dans un contexte insécurité grave qui accentue crise santé, crise sociale ensemble avec crise économique dans pays. Mais jodi a, c'est seulement 15% financement l'agence ça que organisation UNICEF a recevoir. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio, n'a pas pour une table de contact à l'heure concernant encore avec Jean-Aubert depuis frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Eh bien, yon femme pral gen pour diriger plateforme sociale Twitter d'après propriétaire Elon Musk, Gentil Augustin Junior. Patron Twitter a annoncé plateforme nan pral gen yon nouveau chef avant année a fini. Nan mois novembre 2022, quelques semaines après l'été fin acheté plateforme média social Twitter pour 44 milliards de dollars, l'été dit yon tribunal de Delaware, li pa vle vin CEO nan compagnie sa. Yon mois pita, l'été fait yon tweet, l'été écrit: "Mwen pral démissionner comme CEO, pi vite que mwen joigne yon moun ki assez gen courage pour prendre poste la." Promesse la te vini après plusieurs milliers utilisateur Twitter te mandé pour le démissionner. Nan yon sondage billionnaire Twitter, li même te créé et li te promet pour le respecter résultat yo. Nan mois février 2023, nan yon appel vidéo nan sommet gouvernement mondial là nan Dubaï, Musk, 51 l'année, te di: "I think I need to stabilize the organization and just make sure moi pense moi besoin stabiliser organisation, assurer que li pa gen problème l'argent et puis pour plan produit nou yo bien défini. C'est comme ça, moi pa connais. Moi deviner nan fin année ya ta doué yon bon moment pour me joindre l'autre monde pour diriger compagnie parce que moi pense li ta doué yon position qui est stable dans direction ou qu'on est, n'en fait année ça. Because I think it should be in a stable position around, you know,
at the end of this year. Jean l'te annoncé ça, jeudi 11 mai 2023, Elon Musk te dit li joign yon nouveau CEO pour Twitter. Au soir, ex-cop Jean yore le kounya. Et puis, c'est yon femme, li se Moon San Francisco. Li pat bay non li, mais li te dit nouveau CEO après le commencer, nan environ 6 semaines après annonce ça. Et même jeudi, a nan yon tweet li te dit wòl li pral vin président exécutif ak directeur technologie Twitter. Le Elon Musk te prend contrôle Twitter, li te révoqué en pile employé et prend en pile l'autre mezi yon façon